Alléluia, shalom à vous ce matin, peuple de Dieu. Soyez bénis et bienvenue sur notre plateforme de prière. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, mais Jésus vous aime plus. Soyez bénis ce matin, vous qui êtes fidèles à ce temps de prière, la prière matinale, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Je voudrais encore ce matin vous encourager d'aimer toujours notre page Facebook et de partager au maximum. Ces temps de prière sont des bénédictions pour plusieurs. Et je voulais remercier d'ailleurs plusieurs personnes qui ont eu à envoyer ces temps de prière à les membres de leur famille, aux amis. Vraiment, nous avons reçu des témoignages et nous bénissons le nom de l'Éternel de nous avoir utilisés comme des instruments pour ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Ce matin encore, nous sommes là. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour cette merveilleuse journée de sa création, cette nouvelle semaine qu'il nous accorde dans sa présence. Alléluia. Ce n'est pas un droit d'aller au lit la nuit et se réveiller le matin en bonne santé, mais c'est un grand privilège. Quel Dieu glorieux que nous avons. Élève maintenant ta voix là où tu es, mon frère et ma sœur. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à lui dire merci pour sa bonté, sa fidélité, sa grâce sur nous durant toute cette nuit que nous avons passée sous sa protection divine dans le nom de Jésus. Éternel des armées, ce matin, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous te disons merci, toi qui nous permets encore ce matin de nous retrouver devant toi. Papa, sois glorifié pour le souffle de vie. Pendant cette nuit, tu nous as gardés. Tu nous as protégés, oh Dieu. Merci, papa, pour nos membres de nos familles. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour les quartiers dans lesquels nous nous trouvons, oh Seigneur. Tu veilles sur les quartiers, là, Seigneur, mon Dieu, à cause de ton nom qui est invoqué sur nous. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni. Même nos nations sont sous ton contrôle absolu. Mais merci Éternel des armées pour tous les membres de nos familles de près comme de loin. Sois exalté ce matin. Sois honoré et magnifié dans le puissant et précieux nom de Jésus. Reçois la louange Alpha et Omega. Reçois la louange l'Éternel des armées. Reçois la louange toi qui vis pour des siècles et des siècles. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le début et la fin de toutes choses, nous t'exaltons dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car Jésus est le roi des rois. Car Jésus est Seigneur des seigneurs. Car Jésus est le roi des rois, nous le chantons. Car Jésus est Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh mon roi, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus, notre soutien, notre source. C'est avec ces paroles que nous prenons nos temps de prière, dans le nom de Jésus. Dans Ézéchiel 36 ce matin, Ézéchiel 36 dans le nom de Jésus, nous sommes en train de finir, bien-aimés, le troisième mois de l'année. Nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans le quatrième mois. Nous avons consommé 3 mois, il nous reste 9 mois pour finir 2021. Mais nous n'allons pas finir 2021 de la même manière, nous sommes rentrés dedans. Nous allons finir 2021 dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse et dans la possession de tout ce que Dieu a promis pour nous en cette année dans le nom de Jésus. Ézéchiel 36, le verset 1. Nous prenons le verset 1 et le verset 2. Nous allons ainsi partir pour prier avec ces versets. Le verset 1 dit, Ézéchiel 36, « Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. » Le verset 2, « Ainsi parle le Seigneur éternel, parce que l'ennemi a dit sur nous, « Ha, ha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. » Le verset 3 dit,
tu prophétises et tu déclares. Ainsi parle le Seigneur éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des nations. Alléluia! Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ces trois versets nous amènent ce matin à faire des déclarations, à déprogrammer ce que l'ennemi a dit dans le verset 2. Il dit que parce que l'ennemi a dit ces choses sur nous, nous sommes en train de finir le troisième mois. Il est en train de déclarer des choses pour le mois qui va rentrer. Il est en train de se préparer pour faire des déclarations. Il est en train de se préparer pour faire des décrets. Mais ce matin, toi et moi, nous allons nous dresser dans le sang de l'agneau. Nous allons déprogrammer toute parole négative déclarée par le monde des ténèbres, déclarée par tierce personne. Nous allons les détruire, déclarer qu'ils n'auront pas leur effet sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Christ Nazareth, élève ta voix et commence à prier avec moi. Père, dans le nom puissant de Jésus, ce matin nous nous dressons dans le sang de l'agneau. Nous venons par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de la résurrection de Christ, par la puissance de l'esprit de l'éternel des armées, nous déprogrammons toute parole négative déclarée par le monde des ténèbres, Seigneur mon Dieu. Pendant que nous voulons conclure ce mois de mars, oui Seigneur, l'ennemi est en train de se préparer pour nous, pour mettre des pièges, pour décaler des paroles pour le mois prochain. Papa, ce matin, nous déclarons et nous établissons que toute programmation de l'ennemi, toute parole négative déclarée, oui Seigneur, tout rassemblement dans les lieux secrets où les décisions sont en train de se prendre, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Nous envoyons le feu de l'Esprit de Dieu balayer ces paroles, balayer, Seigneur mon Dieu, ces décrets, détruire par le feu tous ces décrets maléfiques et démoniaques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 3 dit, il dit, tu prophétises et tu dis, ainsi parle l'Éternel, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Tu vas déclarer ce matin, je ne serai pas la propriété de Satan, je ne serai pas la propriété des démons, je ne serai pas la propriété des esprits de ma famille, dans le nom de Jésus. Mon cas est différent, j'appartiens à Christ, Christ vit à moi, dans le nom de Jésus. Christ vit dans la vie de mes enfants, Christ vit dans la vie de mon mari, Christ vit dans la vie de ma femme, Christ est dans ma maison. Je ne serai pas et je ne suis pas la propriété des esprits maléfiques de ma famille dans le nom de Jésus. Papa, tout esprit maléfique qui se réclame quelque part que je suis sa propriété, ce matin je le déclare haut et fort que je ne suis pas leur propriété. Je n'appartiens pas à Satan. Je n'appartiens pas aux esprits de ma famille. Je n'appartiens pas aux hôtels de famille dans le nom de Jésus. Les hôtels familiaux sont anéantis. Leur effet, ils n'ont pas d'effet sur ma vie par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le verset 3 dit, le verset 3 dit, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Je remonte encore. Il dit, parce qu'ils ont voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir. Toute programmation de la dévastation de l'ennemi, nous le détruisons par le feu. Satan, tu ne vas pas engloutir mes finances. Tu ne vas pas engloutir mes projets. Tu ne vas pas engloutir ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rappelez-vous que l'Éternel a commandé au sol de s'ouvrir et Coran et toute son équipe est rentrée dans la terre. Nous allons commander ce matin, au nom puissant de Jésus, ordonner que la terre s'ouvre dans le nom de Jésus, que nos ennemis soient engloutis. Ceux qui en veulent à notre vie, qu'ils soient engloutis, que ces personnes-là soient englouties, que ces esprits-là soient engloutis dans le nom de Jésus. Satan, je ne serai pas englouti par la puissance du Saint-Esprit, mais ce matin, j'ordonne à la terre sous ton pied, dans le nom de Jésus, de s'ouvrir maintenant et que tu sois englouti dans le nom, toi et tous tes programmes, tout programme de dévastation dans le nom puissant de Jésus est anéanti en ce jour par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus. Si nous descendons au verset 11 de ce même Ézéchiel,
Nous allons descendre au verset 11 de ce même Ézéchiel 36. Le verset 11 dit, « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et ils seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je ne vous ferai plus, et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. » Quelqu'un a écouté ça? Et vous saurez que je suis l'Éternel des armées. Voici le souhait de Dieu pour nous. Le Seigneur veut que nous nous multiplions. La multiplication dans les finances, la multiplication dans nos projets, la multiplication dans nos biens matériels. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'appelle l'esprit de la multiplication dans ma vie. Que mes entreprises se multiplient. Que mes finances, qui est multiplication, Dieu de miracles, qui est multiplication dans mes pensées, qui est multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Une multiplication. Papa, tu as dit que tu vas multiplier. Tu vas multiplier. Tu vas multiplier, Seigneur mon Dieu. Tu multiplies les hommes dans nos églises qui est multiplication. Oh Seigneur, dans nos différentes églises qui est multiplication. Dans nos congrégations qui est multiplication. Que l'évangile se multiplie dans nos nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que les âmes sauvées dans nos familles se multiplient au nom de Jésus. Que les âmes sauvées dans nos familles se multiplient au nom puissant de Jésus. Dans les familles qui aient des âmes, Seigneur mon Dieu, sauvées au nom, que cela se multiplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel des armées. Sois béni et glorifié ce matin dans le nom de Jésus. Nous remontons au verset 8 et au verset 9 pour finir cette partie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le verset 8, dans le même chapitre de Ézéchiel 36. Le verset 8 dit, « Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. » Le verset 9 dit, « Voici, je vous ferai faveur, favorable. Je vous serai favorable. Je vous serai favorable. » Je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je vous serai favorable. Nous allons appeler que les cieux s'ouvrent et que la faveur divine de Dieu soit relâchée sur nos vies. La faveur est un véhicule qui peut te transporter à un prochain niveau de ta vie. Ce matin, tu demandes que les cieux s'ouvrent. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail, sur mon entreprise. Oh Seigneur mon Dieu, qui est, Seigneur mon Dieu, une faveur extraordinaire. La faveur venant de toi, que cela soit relâché sur ma vie ce matin. La faveur sur mes entreprises, la faveur dans mes projets, la faveur, oh Seigneur, dans tous les domaines de ma vie, la faveur sur la vie de mes enfants par rapport à leurs études, une faveur spéciale, la faveur venant de toi, devant toi et devant les hommes, que cette faveur nous arrose, que cette faveur nous habille comme un manteau, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Papa, j'appelle la faveur de Dieu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, que la faveur vienne maintenant. Faveur divine, viens. Nous t'appelons à l'existence ce matin, dans nos vies, sur nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé ce matin pour ce merveilleux jour de ta création. Papa, nous avons confiance que tu as fait lever ton soleil, Seigneur mon Dieu, pour nous guider en cette journée. Tu nous assistes, Saint-Esprit. Tu nous aides, tu nous conduis vers les verts pâturages. Ne nous envoie pas là où l'ennemi veut nous voir, là où il a placé des pièges devant nous, Seigneur. Mais Papa, délivre-nous de la main de l'ennemi, des méchants en cette journée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa, je recouvre ton peuple ce matin par le sang de Jésus. Corps, âme et esprit, leurs véhicules, les voitures qu'ils vont utiliser, leur entrée, leur sortie, leur famille est trempée dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons un grand amen au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin encore au nom de Jésus. Amen.